Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier, partagez le petit drill dans tous les groupes. Et je salue toute la forêt, mes sincères condoléances à toutes les familles victimes de la forêt et tous les Guinéens. Donc, on dira aussi, Fulbe Guinéens et Guinéens, partagez vos vidéos donc dans les groupes du faux. On va venir se dire la vérité ici. Donc, avant tout d'avoir de continuer mon direct là, je demande une minute de silence pour les victimes de l'assassinat de Idi Amin et Mamadi Doumbouya encore. Une minute de silence. Voilà. Bonjour, bonsoir. Mes fans, bonjour, bonsoir tous les Guinéens. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Le combat continue. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier à Zéro Kouré. Comment ça a été organisé par Idi Amin? Comment ça a été organisé par Idi Amin avec son clan, avec le clan de Bala Samoura? Écoutez les Guinéens, écoutez très bien. Partagez vos vidéos quand il y a du groupe, il faut. Kobe organise ko hanking o duma ka duma zéro kure au stade de zéro kure là. Vous savez, Mamadi Doumbouya,
On te dit tout le temps là qu'on te déteste pas, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, on te dit la vérité, Mamadi Doumbouya. Laisse affaire de pouvoir là, Mamadi Doumbouya. Ça va finir très mal. Hier, c'était le 1er décembre 2024. Et Mamadi Doumbouya, vous avez, tu as dit toi-même, le 31 décembre, tu ne vas même pas passer un jour, tu vas quitter le pouvoir, Mamadi Doumbouya. Vous avez voulu organiser, vous avez voulu organiser des tournois pour soutenir Mamadi Doumbouya au pouvoir. Dieu, Mamadi Doumbouya, je t'ai dit hier encore dans mon direct, ça c'est le dernier message de Dieu de ta part. Mamadi Doumbouya, le message qui s'est passé hier à Zéro Kouré, ça c'est un dernier message de la part de Dieu pour toi, Mamadi Doumbouya. Dieu t'a parlé ici clair. Dieu t'a donné des signes clairs, Mamadi Doumbouya, mais tu ne veux pas comprendre. Regardez d'abord ce qui s'est passé là hier. Avant même le match, vous avez vu le chien qui est rentré au stade. Oh, le ballon au foot, on y barre le nom qu'on a tout le monde qu'on castade. On y barre le nom qu'on a tout le monde qu'on a tout le monde. On a ici gotte au wailik et barre le. Comme si quelqu'un s'est transformé même en chien. Dans les fétiches. Le chien est rentré dans le stade d'abord. Le chien a fait le tour. On dirait même qu'on avait commissionné même le chien là. Mamadi Doumbouya, c'est que tu n'as pas compris. Tu peux pas mettre Dadis Camara en prison et puis vous allez venir à la forêt vous moquer de la, vous moquer des gens de Zéro Kouré. Dadis en train de crever en prison là-bas. Mamadi Doumbouya. Amara est quitté à Zéro Kouré, ça fait même pas une semaine. Marakanaka ke Kirikou kake, vous avez vu, non? Ils sont tous quittés à Zéro Kouré, ça fait même pas une semaine, non? Vous avez vu sortir de Makanera ici, là, non? Qui comparait même, qui parlait même de la politique, Dieu même, dans le Coran, que Dieu a changé sa parole dans le Coran. Hey! Allah va pouvoir. Voici maintenant la réponse de Dieu direct, ça n'a même pas retardé. Mamadi Doumbouya, réfléchis, tu laisses le pouvoir, là. Mamadi Doumbouya, tu peux pas emprisonner Dadis, tu tues Célestin, tu tues les gens de la forêt, hein? Tu tues, c'est comme ça que tu avais tué aussi l'autre là, comment il s'appelait? Celui qui était dans l'IFDG de la forêt là. Mamadi Doumbouya, Dadis, tu mets Dadis en prison. Vous venez faire des campagnes. Ce délinquant maudit d'Amara nous dit maintenant que c'est la refondation. Mamadi, Amara, ce n'est pas la refondation, c'est nous, les Guinéens, on va vous refonder. Ce n'est pas la refondation, Amara, nous-mêmes, on va vous refonder maintenant là. On va vous refonder parce que vous voulez vous cramponner au pouvoir. Mais Mamadi, c'est un naïf. Mamadi Doumbouya ne connaît rien. Mamadi Doumbouya, tu as vu, c'est comme ça ils ont utilisé le capitaine Moussa Dadis Camara, l'épisode de l'histoire du 28 septembre. 28 septembre, 1er décembre 2024, vous êtes en train de cacher les femmes et les cadavres. Mamadi Doumbouya, hier, quand j'ai fait mon direct là, hier là, la personne qui m'avait appelé de Zéro Kouré, il dit qu'il a vu les corps qu'il a vu là, que ça dépassait plus de 150 morts. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre encore, il y a eu plus de 280 et quelques morts. Le matin, vous avez déclaré 30 morts. Après encore, vous avez changé, vous avez dit 60 morts. Vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, nous sommes en plein campagne de la civilisation sur les réseaux sociaux là. On a en Europe ici aujourd'hui, personne ne regarde les médias. Personne. Toutes les personnes sont concentrées sur les réseaux sociaux là. C'est là-bas, il n'y a pas de mensonge. Quand une action se passe tout de suite là, la personne filme avec son téléphone, il lance ça sur les, balance ça sur les réseaux sociaux. Une heure de temps, tu peux voir, il y a 1 million de personnes qui ont vu dans le monde entier. Donc aujourd'hui, avec la technologie là, vous ne pouvez plus tromper les gens, mentir. Amara nous a dit maintenant, ce n'est pas la transition. Maintenant, c'est pas la trahison même, ce n'est même pas la transition. C'est pas la trahison maintenant. Maintenant, c'est la refondation. Amara, on va vous refonder en Guinée. Le CNRD, nous, on va vous refonder en Guinée. Comme vous parlez bien le français, là.
Des espèces de bandits que vous êtes, des malhonnêtes de la République comme ça. Un gouvernement de pornographie. Hein? Un gouvernement de pornographie. On va vous refonder dans ce pays-là. Ne soyez pas pressés. Ça, c'est Dieu. Vous avez voulu prendre l'image des zéro courriers pour dire Fouta Diallo en train de soutenir Mamadi Doumbouya. La forêt aussi en train de soutenir Mamadi Doumbouya. Lorsque nous sommes sortis ici, on a dénoncé. Quand ça a commencé à l'Abéla, vous êtes sortis, partis prendre les enfants de l'école primaire. Les enfants de 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et vous remettez de l'argent aux enfants là. Et vous remettez le pain tapalapa et une boîte de sardines aux enfants là. Mamadi Doumbouya, vous moquez des gens. Vous vous moquez des Guinéens. Tandis que vos enfants sont en train de dormir dans les climatiseurs à Conakry. Vos enfants sont en train de monter dans les avions chaque jour. Les enfants des pauvres qui sont en Guinée, là, ils n'ont même pas le droit de s'asseoir sur les bancs pour étudier. Le droit constitutionnel le plus absolu pour un Guinéen, pour un enfant qui naît en Guinée, c'est d'avoir les soins médicaux, partir à l'école, apprendre une éducation, manger à sa faim. Vos enfants tripatient les millions de dollars. Les enfants des pauvres, hein, ils sont par terre. Ils n'ont même pas de banc où ils vont s'asseoir pour étudier. Les futurs cadres de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, vous êtes maudits, vous êtes méchants. Vous êtes des satans, vous êtes des chétans. Vous êtes partis maintenant organiser. Depuis, nous, on disait ici, là, affaire de Mamadi Doumbouya, je t'ai dit, aucun Guinéen conscient qui a 20 ans, vous avez vu toutes les grandes personnes là, vous avez proposé de l'argent pour sortir là. Les gens ont refusé. Vous êtes parti dans les villages, dans les quartiers, payer les enfants là, déplacer les enfants de l'école primaire, du collège. Les enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, vous les amenez là-bas seulement pour remplir le stade là, pour faire les photos, pour faire les images. Vous allez prendre ça, lancer ça dans votre site de merde de la présidence des criminotocrates comme ça, pour dire que toute la forêt vous soutient, même Fouta Diallo. Ça dit, il m'a foutu Niaïmoun. Je vais expliquer ce qu'Idi Amin, ils ont organisé hier. Vous avez vu, quand il y a eu le problème là, on m'a amené beaucoup de vidéos ici dans mon téléphone où des enfants même ont réussi des barres réelles. Pourquoi ils sont rentrés là-bas tirés sur la population? Pourquoi? Qui a amené les forces spéciales là-bas, les militaires privés là qui étaient en civil là-bas? Qui les a amenés là-bas? Vous connaissez, c'est comme ça, ils ont joué sur Dadis. Ils ont joué sur Dadis pour salir son image, pour se faire détester, pour que tous les Guinéens détestent Dadis. C'est le même système que Idi Amin a organisé avec son clan de Bala Samoura là. Mais Mamadi Doumbouya n'a rien compris. Mamadi Doumbouya, tu te fâches pourquoi maintenant là? Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya ne veut même plus voir Baouri, même Amara. Une honte. Macanera est venu rentrer dans l'affaire des campagnes, la zéro Corée là. Il vous a apporté une malédiction encore. Mamadi Doumbouya, tout ça là, c'est Dieu qui te dit trop, c'est trop. Tu ne peux pas prendre le Coran, prêter serment sur le Coran. Devant le monde entier, Mamadi Doumbouya, tu as assassiné plus de 200 et quelques morts le 5 septembre. Aujourd'hui encore, le 1er décembre, plus de 280 morts, Mamadi Doumbouya. Nous, on demande à la communauté internationale et nationale. Nous demandons ce farfelu d'Ali Touré là, Fallou Doumbouya là. On demande une enquête préliminaire sur l'assassinat de ces gens aussi à Zéro Corée, au stade de Zéro Corée. On demande une enquête. Préliminaire pour l'assassinat de ces gens là. Donc hier c'était prévu de faire un coup d'état à Mamadi Doumbouya. Hier c'était prévu d'organiser un coup d'état contre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, réveille-toi. Mamadi Doumbouya, il y a la ka, il oulie Massako, mais il y a toi. Sam Atina la banama. Mamadi Doumbouya, tu vas finir comme Samuel Do. Mamadi Doumbouya, on va t'assassiner comme Samuel Do. Et ça sera une honte. Une honte devant ta famille, devant tes enfants. Tes enfants ne vont jamais oublier ça. Quand la façon que les gens là vont te prendre, t'assassiner, Mamadi Doumbouya. Ta famille, toute ta famille ne va jamais oublier ça, Mamadi Doumbouya. On parle aujourd'hui, tu penses qu'on est fou, on est bête, on ne connaît rien. C'est toi qui ne connais rien, Mamadi Doumbouya.
C'est toi qui ne connais rien, Mamadi Doumbouya. Organise les élections là, tu dégages, tu rentres en France là-bas. Tout l'argent que tu as volé au Guinée là, tu vas aller t'asseoir là-bas avec ta petite famille là. L'argent que tu as volé là, tu quittes la Guinée, tu vas aller t'asseoir là-bas manger. Maintenant, les Amara avec les autres là, tu nous laisses les porter à la justice. Mais ils n'ont rien compris. Hein. Voilà comment Idi Amin aussi a. Ça dit, Mamadi Doumbouya, rappelle-toi de tes vidéos là. L'armée, c'est la parole. On ne veut pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, là, c'est pas la même chose. Stade de 28 septembre, stade de zéro courir encore. Ça, c'est pas les erreurs du passé encore. Et là-bas, on parlait des crimes contre l'humanité, des 150 morts. Ici, on parle plus de 280 et quelques morts. Vous avez voulu même prendre les corps, là, cachés, les enterrer la nuit, là. Il a fallu la commune. Les communicants, blogueurs et activistes là, pour venir dénoncer ça ici là, vous avez commencé maintenant à changer. Vous avez même prévu même de prendre des corps, amener jusqu'à Conakry pour dire que vous avez pris les enfants là pour les amener à l'hôpital à Conakry. Hey, c'est les réseaux sociaux. Quand il y a un problème là, les gens prennent, pan, on nous envoie dans nos téléphones. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous organiser encore pour bloquer les réseaux sociaux là. Eh bien, ils nous défendent de donner. À partir de nous, les rudo, on a des yonterlom, yonteraro, réseaux sociaux, kadi, befala, argol, coupa. Parce que, fit, ta communiquant, ben, communique avec les réseaux sociaux. Tout, fais tout ce que tu veux faire, mon Mamadi Doumbouya. Les gens vont nous appeler ici, vont nous donner les informations en temps réel. Laisse le pouvoir là. Mbrafo et Manigakano, quoi, you si n'y t'a mené les camps. Mamadi Doumbouya, et you si n'y t'a mené les camps, si fin qu'on a. Moi, si t'es là, Gisuma, il n'est là, et Kata, ou là, ça y est, du corps, faut, il est qu'il est, Mamadi Doumbouya. Ici, il m'y rit. Moi-même, bébé, la Nicobi, Mamadi Doumbouya. Il m'a dit, moi aussi, voilà, il est là, il braque gâteau d'anniversaire, il dit, pour les gens. Qui est devenu un comédien pour les gens. Mamadi Doumbouya, tu es devenu un comédien, un grand comédien pour les gens. Laisse le pouvoir là, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas tromper la communauté internationale. Tu ne peux pas tromper 14 millions d'habitants. La Guinée n'appartient pas à un petit clan ethno-malinqué au pouvoir. Non, nous sommes en plein 21e siècle. Les gens sont éveillés aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur. Mais tu ne connais pas l'armée guinéenne. Donc, Guinée, écoutez-moi, à l'air là, Mamadi Doumbouya a amené les militaires. Il a amené plus de 100 ou 200 et quelques militaires rwandais. Plus de 100 et quelques militaires rwandais qui va faire sa sécurité là. Là où je vous parle comme ça là, il y a deux groupes de militaires ou trois groupes de militaires qui ont dit niet que Mamadi Doumbouya ne peut pas amener les militaires étrangers de Rwanda pour faire sa sécurité. Déjà le problème là est là sous la table entre Mamadi Doumbouya et certains militaires républicains. Ça va péter. Fin de Doni, Yakaïmo a dit plus de 200 et quelques personnes. Il est Rwanda, Argol Wada Sécurité Macron pour le mois de décembre. Seulement pour le mois de décembre pour le protéger. Henderson Yei, Kaloum, pont 8 novembre là. Loyan Natode, avant de rentrer dans Kaloum là, il y a plus de 400 Malinké là-bas des forces spéciales. Pour eux là, le pays là appartient maintenant aux Malinké. Hein. Ils ont fini d'acheter le pays là. Ça appartient à un petit clan ethno-malinqué quoi. Hein? Aujourd'hui, si tu veux rentrer dans Kaloum, à partir de 18h là, tu ne peux plus rentrer dans Kaloum. Tellement que c'est un peureux. Tellement que Ohimo, ça dit, tout ce qu'il fait là, c'est des bruits. Tellement que c'est un peureux. Depuis hier, ce qui s'est passé à Zéro Courrier, Mamadi Doumbouya ne veut plus même voir Amara, même Baouri. Ofalaka Igolbe. Il était surpris même. Lui-même, il a compris. Comment se fait-il qu'on va aller au stade? Déjà, Dieu vous a montré. Le chien là est rentré sur le terrain là. Le chien est venu faire ce qu'il devrait faire là. Mamadi Doumbouya, tu as affaire avec la forêt. Tu as affaire avec les peuples. Tu as affaire avec les soussous, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas t'en sortir. Nous, on n'a pas un problème avec tous les malinqués. Non! On a, tous les Guinéens ont un petit problème avec un petit clan malinqué. C'est pas tous les malinqués qui sont des ennemis des peuls ou des soussous ou des forestiers. Non. On a un petit problème avec un petit clan ethno-malinqué qui veut se cramponner au pouvoir par la force.
Hein? Sinon, le chien-là est sorti pour vous donner le message. Si quelqu'un était intelligent parmi vous, vous devrez même annuler le match-là, sur place. Mais vous êtes parti organiser le match-là pour mélanger les peuls de Fouta Diallo et puis les gens de l'abbé où se trouve le président de l'IFDG. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Et non, si vous pouvez me marier avec trop. Confions-nous qu'au joueur de l'abbé même et à l'état, Dieu ingolou. Tout le temps, quand il y a une solution, il n'a qu'il y a un loudalin, mais parce que le président c'est loudalin comme on l'avait. Femmes et politiques comme moi, ils ont organisé très bien. Ils ne veulent pas dire qu'au foule de l'abbé, ben, ils ont été l'un l'abbé. Ben, il y a des zéro courés, ou bien une armée. Non, Allah nous dit la Guinée. Dieu aime notre pays là. Tout est bien réfléchi, tout est bien organisé. Après, vous allez commencer à faire des problèmes. Vous allez dire maintenant, peut-être c'est Seloudalen qui a armé les gens. Parce que l'affaire de coup d'État que vous avez voulu inventer dans la forêt, là, à Zéro-Couré, là, pour dire qu'Alpha Condé a mené des rebelles là-bas, il nous dit qu'Alpha Condé a mené des rebelles là-bas, Alpha Condé veut déstabiliser le gouvernement. Quel gouvernement? Alpha Condé, ça ce n'est même pas un gouvernement. C'est des sanguinaires qui sont au pouvoir. Alpha Condé veut déstabiliser les criminels qui sont au pouvoir là. Ce n'est pas un gouvernement. Hein? Non. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un gouvernement de pornographie de la République. Donc, Alpha Condé veut déstabiliser ça. Quand les blogueurs et les communicants ont lancé la nouvelle là ici, vous avez changé de stratégie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire face aux partisans de l'IFDG ou précisément dans quelle préfecture encore les gens de l'abbé. Femmes politiques Condé, femmes politiques Condé Hollandais. Ko fi on nun ko himbe labbe ben be yebbe yete der Fouta Diallo in gol ko final ko ben arata jogol dum fo ko dabbugo lawol no inira do ko him fulbe ben wadi dirgol fulbe ben e forese ben si éclatement on wadi non ko don idi amin fala no immagol pour attacher Mamadi Doumbouya et puis c'est pas gâté parce que Idi Amin il sait d'ici le 31 décembre là s'il ne devient pas président en renversant Mamadi Doumbouya là Idi Amin sait que il va finir en prison dans sa vie. Vous allez voir ce qui va se passer. Nous, à partir d'aujourd'hui, là, chaque jour, on dit moins un jour CNRD. Écrivez chaque jour là, moins un jour CNRD. Il reste à Mamadi Doumbouya combien? 29 jours au pouvoir. 29 jours, nous sommes le 2 aujourd'hui. Ou le 3 même. Hein? Il reste combien de jours pour Mamadi Doumbouya au pouvoir? Mais les gens n'arrivent pas à croire ce que les communicants, les blogueurs, ce qu'on dénonce ici là, beaucoup vont s'asseoir dire ah les gens là c'est des bavardeurs, ah les gens là ils sont comme ça. Mamadi Doumbouya, Dieu t'a montré le dernier message encore hier. Laisse affaire de pouvoir là. Vous avez voulu organiser ça pour prendre, ramasser les vidéos là, lancer ça sur les réseaux sociaux, la population avec toi. Tu as vu comment Dieu vous a frappé? Tu as vu le karma de Dieu? Vous allez prendre Dadis, le mettre en prison. Vous vous moquez même de la forêt. Vous allez venir organiser encore des soutenirs, Mamadi. Quel soutien? Quel soutenir quoi? Soutenir ces criminels-là, comme Bandakani le disait là. Hein? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut donner au Guinée? Monsieur le porteur de lunettes là, aux lunettes noires là. Qu'est-ce que ce farfelu-là peut donner au Guinée? Vous aussi. Soyez un peu sérieux quand même. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut rapporter au Guinée? Quoi? Bilan de Mamadi Doumbouya, détournement sur détournement, corruption sur corruption. Ils ont battu le record depuis 1958 jusqu'à 2024 là. C'est de jamais vu. 3 milliards 700 et quelques millions de dollars détournés en 3 ans de CNRD. Ils sont tous devenus des milliardaires en francs guinéens, des millionnaires en dollars. Un petit clan malinqué. Peutambe au babanangbe la Guinée. Pour vous, là, c'est la Guinée appartient seulement au Malinké. Et on se de quoi, ben, ma pétungé la Guinée. Koui kapo, oui, houda, koui, haka, koui. On se de quoi, ben, mon dernier la Guinée, quoi, ben, mon saudi la Guinée. Dioni carte grise. Dioni carte grise la Guinée, koui kapo, oui, fou. Vous pensez que c'est votre papa qui a acheté ce pays-là et remettre la carte grise du pouvoir, là, à un petit clan Malinké. Vous êtes malade. Vous pensez que c'est votre papa qui ont les titres foncés de ce pays-là. Le pouvoir appartient seulement au Malinké. Hein? Hein? Mamadi Doumbouya, tu n'as pas honte? 200 et quelques morts. Et toi, tu juges les dadis, crimes contre l'humanité. Ou le procès de 28 septembre, où on parle de 150 morts.
On ne veut pas, comment il a dit ça même. Et ça dit tellement qu'ils sont bien à parler le français là, parce que moi, le français me dépasse. L'italien fait qu'aujourd'hui même, je n'arrive même pas à bien parler la langue française là, parce que l'italien m'a dominé complètement dans ma tête et dans ma bouche là. L'italien, ça dit, la langue italienne m'a, ça dit, m'a déstabilisé complètement pour parler le français. C'est pour cela même, des fois même pour parler même. Quand je suis sur mes nerfs, j'ai des difficultés même. Hein? Ceux-là, ils vont venir se cramponner au pouvoir comme ça. Assassiner 200 et quelques morts. Venir nous mentir, nous présenter une charte privée à laquelle aucun Guinéen n'a participé. Et les gens là vont venir nous faire décret. Ils disent ce n'est plus la transition, c'est la refondation. On va vous refondre. Amara, toi et Mamadi Doumbouya, ton grand là, ton patron là, on va vous refonder. Le CNRD, nous les Guinéens là, le 31 décembre, on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une refondation. On va vous aider à, ça dit, on va vous refonder le 31 décembre. Vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbouya pense qu'il va rester au pouvoir. Vous n'avez rien compris. Quand on vient parler sur les réseaux sociaux, vous nous traitez de fous, on n'a pas de travail, on est comme ça. Machallah, il n'y a pas de problème. Mais le 31 décembre, là, le 31 décembre, là, voilà comment Idi Amin en train à organiser les mêmes choses de Capitaine Moussa Dadis Camara pour faire détester Mamadi Doumbouya aux gens. Mais comme Mamadi Doumbouya est un enfant très mal poli, il ne comprend rien dans sa vie. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que la politique. Au Rwanda politique, il ne comprend rien. Tout ce qui l'intéresse là-bas, il est couché là-bas à prendre ses chambres indiennes là. Hein? Chercher les belles filles là. Manger, boire les whisky là-bas, se droguer très bien dans sa chambre là-bas. C'est tout ce qui l'intéresse. En dormant, il dort avec trois pistolets. Ça, c'est une vie, ça. C'est une vie, ça. Quelqu'un qui dort avec trois pistolets. Cela veut dire que personne ne t'aime en Guinée. Cela veut dire, on ne force pas l'amour, Mamadi Doumbouya. Tu es venu le 5 septembre, tu dis que tu vas faire l'amour à la Guinée. Tu as enceinté tous les Guinéens. Tous les Guinéens sont tombés enceintes de Mamadi Doumbouya. Maintenant, il faut nous montrer les hôpitaux où tous les Guinéens vont aller accoucher, Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Hein? Regarde la galère, la souffrance que les gens sont en train de mener. On a dit aux Guinéens là, vous avez proposé de l'argent aux gens, les gens refusent. Maintenant, vous utilisez les enfants des gens pour aller remplir les stades là, pour faire des images, des photos, pour dire Mamadi Doumbouya est soutenu, tous les Guinéens l'aiment. Hey, Mamadi Doumbouya, kohake tu wala la karao. Hake musgama la gare. Parce que plan ma ben foko e bernou me geta din image do fino me getira et na Mamadi Doumbouya, il est soutenu, il sera candidat. Hey, Mamadi Doumbouya, même si on te dit que tu vas retrouver ton papa demain ou après-demain là, ou on te dit d'enlever les vases rouges là, sacrifice là, Mamadi Doumbouya, même si tu te fous des Guinéens là, Mamadi Doumbouya, on sait que tu es un psychopathe criminel. Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas venir ici nous dire que tu seras candidat aux élections présidentielles, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, la Guinée n'appartient pas à ton papa. La Guinée n'appartient pas à ta famille. La Guinée n'appartient pas au papa d'Amara, ni de Idi Amin, ni de Bala Samora, ni de Fallou Doumbouya, ni de Ali Touré. La Guinée n'appartient pas à votre papa. La Guinée appartient à nous tous. Soyez un peu honnête, soyez un peu humain. 200 et quelques morts pour seulement pour faire de la démagogie pour dire vous allez faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Dieu te donne tout le temps les messages. Dieu te dit tout le temps, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter, ne continue pas. Mais tu joues, tu penses que tu es trop intelligent, tu es super intelligent. Mais Idi Amin va t'attraper devant tous les Guinéens ici. Je demande aux Guinéens de garder, de télécharger ma vidéo là. Marrez aux vidéos en souvenir. Idi Amin, il va t'attraper ici comme un petit bilakoro devant tous les Guinéens. Et lui, il va s'échapper maintenant. Il va te prendre Mamadi Doumbouya. Idi Amin va te prendre ici, Mamadi Doumbouya, il va te remettre au Guinée. Idi Amin va jouer parce que il est là où il est aujourd'hui, là, il est devenu tellement millionnaire en dollars, tellement milliardaire en francs guinéens. Pour se protéger là, il sait qu'ils ne vont pas durer au pouvoir. Qu'est-ce qu'Idi Amin va chercher à faire, Mamadi Doumbouya? Comme tu es trop têtu là, tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit chaque jour là. Comme disait le professeur franco-arabe là, Abdul Majid là.
Nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter, apprendre là. Mamadi Doumbia. Idi Amin Dimina, qui blakourou si di dounia benyana. Idi Amin va t'attraper, Mamadi Doumbia. Il va t'attacher ici devant le monde entier. Je demande tous les Guinéens de devenir témoins de ma vidéo là aujourd'hui. Nous sommes, il est, je pense qu'ici il est 0h. Si il est 0h, donc, nous sommes le 3 décembre 2024. Je demande tous les Guinéens qui sont en train de regarder mon direct là, de devenir témoins. Téléchargez ma vidéo là et gardez. Idi Amin, si tu ne passes pas à la vitesse supérieure là, ce que tu as fait à Sadiba Koulibaly, comme je lui donnais les conseils le jour là en France là, Mamadi Doumbia, Idi Amin va te taper. Idi Amin va te prendre. Adi Minaki, Sidi Yusson, Ikamek Alpha Kondé là, Idi Amin Dakaï là. Idi Amin va te faire ça, Mamadi Doumbia. Ce que tu as fait Alpha Condé là, Idi Amin va te faire ça devant le monde entier, devant tous les Guinéens. Le coup d'État là, c'était prévu hier contre toi, Mamadi Doumbia. Le coup d'État d'Idi Amin là, c'était prévu hier. Vous avez vu dans le stade, pourquoi ils ont tiré sur les gens là-bas avec des barres réelles? Quels sont les militaires qui étaient là-bas en civil qui ont commencé à tirer? C'est ce qui a fait paniquer les gens. Les gens ont eu peur, il y a eu trop de morts. Dans panique là. C'est ça là qui a fait paniquer les gens. Il y a eu trop de morts. Pourquoi ils ont tiré sur les gens là-bas avec des barrières? Pourquoi ils ont lancé les gaz sur les gens, sur les enfants là? Pourquoi? Mamadi Doumbia, pourquoi? Si c'était moi à ta place, même Bachir Diallo, tu devrais l'enlever aujourd'hui. Même Baouri, tu devrais dégager Baouri. Même Idi Amin, tu devrais enlever Idi Amin aujourd'hui. Tout ça là, c'est pour salir ton image, Mamadi Doumbia. Pour que ce qu'ils ont fait à Dadis là, c'est le même système qui nous a dit ici que tu ne vas pas répéter les erreurs du passé là. L'histoire du 28 septembre, les gens sont morts. Plus de 150 personnes, tu as fait le procès là où tu n'étais même pas légitime. Tu n'es même pas autorisé de tenir le procès du 28 septembre. Mais comme les Guinéens, c'est un pays des escrocs mentaux, c'est un pays des menteurs, c'est un pays maudit, les gens t'ont écouté. Mamadi Doumbia, tu n'étais pas légitime. Je suis sorti ici, j'ai parlé. J'étais sur mes nerfs. Tu n'as pas été élu par quelqu'un pour dire que tu vas venir dissoudre une constitution, Mamadi Doumbia. J'ai parlé. Mais comme à l'époque, tu étais soutenu par les Lamine Girassi, là, tu les donnais des enveloppes, là. Ils faisaient tes campagnes là. Ils ont commencé même à te qualifier ici président de la République. Je suis sorti ici, j'ai dit, la Lamine Girassi, Radio Espagne, arrêtez ça. Mamadi Doumbia, ne l'appelez pas président de la République. Il est président de la transition. Il est président de la transition. Il n'a pas été élu par quelqu'un. Aujourd'hui, tu es rentré en guerre avec les gens là parce qu'ils ont commencé à continuer de te demander des rançons, de l'argent. Après, tu t'es fâché, tu dis que tu ne les payes plus. Tu t'es fâché, tu as fermé leurs médias. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui s'est passée entre toi et les gens de médias. C'est pour cela que j'ai dit les gens de médias, moi, ils ne me font pas pitié. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la danse. Pas eux tous. Certains parmi eux étaient dans la danse. Comme Mamadi Doumbia a commencé à arrêter de ne plus leur remettre l'argent, ils ont commencé à dire maintenant qu'ils vont salir l'image de Mamadi Doumbia. Voici le problème entre Mamadi Doumbia et les médias. Là. Hein? Mamadi Doumbia, laisse le pouvoir là. Organise les élections. Tu quittes le pouvoir là. Ce que tu as fait Alpha Condé là, pour toi ça sera grave. Je te dis ça. Idi Amin va t'enlever au pouvoir, Mamadi Doumbia. Idi Amin va t'enlever au pouvoir, Mamadi Doumbia. Idi Amin va te frapper. Je demande tous les Guinéens de garder ma vidéo là et télécharger comme souvenir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2024. Le 1er décembre, ton mandat finit le 30e. La transition finit le 30e. Le 1er décembre, d'abord, ça devient une malédiction pour toi, Mamadi Doumbia. Tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas des conseillers qui osent te dire la vérité. Tu n'as pas des amis qui osent te dire la vérité, Mamadi Doumbia, Dabla, Atina Labena. Tu n'as pas des amis. Toutes les personnes que tu as à côté de toi, là, ils t'utilisent seulement comme gâteau d'anniversaire. Hein? Sinon, comment se fait-il qu'on vient jouer au stade? Tu tiens Dadis en prison. Avant même le départ du match là, vous voyez un chien qui rentre dans le stade. Un chien, comme un être humain, qui rentre là-bas, qui rentre partout, qui fouille le stade là. Et le chien regarde tout. Et puis le chien après, il a fini de faire son travail. Le chien est sorti, il est parti.
Tu penses que les gens de la forêt vont te pardonner ce que tu as fait à Dadis? Tu arrêtes Dadis comme ça. Tu tues Célestin. Pifi, on n'en parle même pas. Hein? Mamadi Doumbouya. Kegoro, il est d'où? C'est un Koniakano. Tu penses que toutes les personnes là vont te laisser comme ça? Saliba Koulibaly, les Malinkés vont te laisser comme ça. Tu es en train de créer une haine contre les autres Malinkés là. Et pourtant, les Malinkés là n'ont rien fait aux autres Guinéens là. Mais vous êtes en train de vous baser pour parler affaire de Mandeng là, pour induire les autres Malinkés dans votre bêtise de merde là. Mamadi Doumbouya, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. C'est comme ça que je disais à Saliba Koulibaly. C'est comme ça que je disais à Fonike Mangue. Fonike Mangue, ils ont fait une réunion avant-hier. On va t'éliminer. Ils vont te prendre. Prends tes avocats. Écrivez. Va déposer les lettres là dans toutes les ambassades. Fonike Mangue, fais comme ça, fais comme ça. Il faut écrire. Si quelque chose t'arrive ici, le premier responsable, c'est le CNRD. À la tête de Mamadi Doumbouya. Fonike Mangue ne m'a pas écouté, non. Fonike Mangue ne m'a pas écouté. Si Fonike Mangue avait osé de faire ça là aujourd'hui là, notre combat, Mamadi Doumbouya n'allait même pas arriver, même le 1er décembre. Là. Mais le message de Dieu a été clair. Idi Amin est en train de pousser les Guinéens. Il a essayé, il dit que les peuples ne sont pas des Guinéens. Il a fait beaucoup de gestes, beaucoup de choses pour pousser les gens pour révolter contre toi, Mamadi Doumbouya. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Ce qui s'est passé hier là, comment se fait-il que les Guinéens n'ont qu'à m'expliquer? Comment se fait-il que, au stade là, hein, il y avait des gens là-bas. Pourquoi? Qui a brûlé les voitures là, les 4x4 qui étaient là-bas là, les 4x4 des militaires là? Qui donnait le feu aux voitures là? Qui tirait là-bas? On y quand le stade donc, on peut dire, nous sommes depuis qu'on vient d'entendre, sorry demain, et puis le fait le décalé pinkage. Les vidéos sont là. Je ne peux pas montrer les vidéos là. Tu vois les enfants là, les balles sur la tête, sur leur poitrine là. Les balles réelles. Donc la forêt, je m'adresse à toute la forêt. Je m'adresse aux toutes les familles victimes de Zéro Kouré là. Écoutez-moi très bien. Organisez-vous, cherchez. Organisez-vous. Créez une association. Créer une association des familles victimes ou les victimes de 1er décembre 2024 là. Prenez leurs noms, mobilisez-vous, écrivez tous les noms de toutes les personnes là qui sont mortes le 1er décembre. Faites une liste. Levez-vous, vous allez chercher une liste, vous écrivez nom et prénom, date de naissance de toutes les personnes là. Parce que là vous avez vu, Le représentant de France 24 là, comme il est corrompu par le CNRD, il est en train de dire aux gens qu'il y a eu 10 morts. 10 morts! Les vidéos sont là dans mon téléphone, 10 morts! 10 morts, tous les cadavres là qui sont partout, morgue là est plein, les voitures là qui transportent les corps là, regardez ça! Ça c'est 10 morts! Hein? Comme ils sont partis corrompre le représentant de médias là, France 24, hein, le représentant de France 24 en Guinée, vous avez vu, il dit qu'il y a eu 10 morts. 10 morts, voilà les BBC et les CNN. Les autres sont en train de nous parler. Plus de 200 et quelques morts. Mamadi Doumbouya, tu seras jugé. On va demander une enquête préliminaire sur l'affaire de l'assassinat des Guinéens de Zéro Kouré. Tu peux pas mettre Dadis en prison, tuer Célestin. Et puis, venez te moquer des gens de Zéro Kouré de la forêt. Le chien là, c'était un messager. Le chien là vous a dit, Amara, Makanera, quand vous êtes venu mentir ici là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que la forêt, qu'est-ce que c'est que Zéro Kouré. Regardez la vidéo là. Le chien là est venu me rendre le même. C'est comme si quelqu'un a dit au chien là, va me rendre service. Regardez comment le chien est rentré. Il a fait le tour du stade, tout. Il regardait les gens. Le chien, après, il était pressé même de sortir. Quand il a fini de conclure sa mission, barré rondo dougi al tienya. Hein? Quand on a engagé Dadis, voilà Dadis Kasso. Il y a qu'à dire des zéro coups de wadgol campagne. Où quand quoi me fala? Non, Mamadi Doumbouya, j'ai compris que tu ne connais rien. Je t'ai dit, tu es devenu gâteau d'anniversaire en Guinée. Gâteau d'anniversaire. Quelqu'un sort comme ça, là, il dit, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Le lendemain, une voiture, $100,000 dans sa main. Tu es devenu fou. On t'a rendu fou mentalement. Tu es devenu fou. Tu es devenu un psychopathe du pouvoir, Mamadi Doumbouya. Un psychopathe du pouvoir.
Le pouvoir t'a dépassé, tu as pris goût de pouvoir là. Mais tu te prépares pour faire du mal aux Guinéens. Idi Amin aussi est en train de se préparer pour te prendre. Idi Amin Dimina, Adib Laburo, Bororo, Benyana. Regardez ma vidéo, hein. Idi Amin Dimina, Mamadi Doumbouya, qui bla Bororo, la Guinée Benyana, Ida et Nyala. Allez, si ni kende Adam, Adike, la Guinée Benyana, n'a koumane. Idi Amin prépare d'autres carnages encore. De 28 septembre, maintenant c'est le 1er décembre. Regardez comment Dieu fait les choses. 28 septembre, c'était au stade. 1er décembre encore au stade de Zéro Kouré. Ça te dit rien? Vous avez amené Makanera, il a menti là-bas, il nous parle du Coran. Vous avez vu comment Dieu a réagi? Comment Dieu a réagi immédiatement? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, tu amènes plus de 200, 150 militaires rwandais pour assurer ta sécurité. L'armée républicaine là, ceux qui se sont opposés là contre toi, il y a deux groupes, trois groupes, Mamadi Doumbouya. Ils t'ont dit carrément, « Peni Mamadi Doumbouya, wo sori be wata yugol ha Rwanda, ara wana sécurité mako, jamais. » Il y a le problème là d'abord entre vous, l'armée républicaine là. D'autres groupes de l'armée là, « Peni Besali. » Parce qu'ils ont compris, si ils arrivent à te laisser comme ça, là, tu vas tous les éliminer. Et on sait que tu es un criminel, tu n'as pas de sentiment. Tu n'as pas de sentiment, Mamadi Doumbouya. Tu es un voyou international. Tu es un grand drogue-tomalogue. Tu n'as pas de sentiment, Mamadi Doumbouya. Si ceux-là sont rentrés dans le piège, là, ils ont vu ce que tu as fait à Sadiba Koulibaly. Non? Ils ont vu ce que tu as fait à Célestin. S'ils vont accepter maintenant que Paul Kagame va venir assurer ta sécurité, hein, ta première sécurité, ça sera les Rwandais, l'armée rwandaise qui vont venir porter les tenues, des forces spéciales qui ne parlent même pas la notre langue, qui ne parlent même pas Soussou, ni Pel, ni Malinké, rien. Il faut sauf français. Et tu vas les payer, comment ça, les payer 5 000 $ par mois. Sans compter leurs primes là, $300 aussi chaque semaine. Tu vas éloigner les autres là. L'armée guinéenne, ceux qui sont à côté de toi, ils ont compris le danger. Ils t'ont dit carrément, « Wobe sali. » Mokodoum, un problème. Ça y est, il y a Malinka avec Chapan de Naye, qu'à 8 novembre, pont. 18h à Watana, tu gol hande kadikaloum. Mamadi Doumbouya, nous sikoude, ko bem mako et koui, paye koui Malinka wedo, ko kampe soudi, konakri, ko kampe soudi, la guinéenne, faut gyoni. Vous allez sortir ici, faire des décrets avec l'arrogance. Tellement que vous êtes des sauvages mentales. Vous n'avez aucun sens de la civilisation humaine. Hein? Vous êtes des sauvages qui n'ont... C'est-à-dire, vous avez dépassé votre niveau de la sauvagerie mentale. Même. Vous êtes des bornés, des bornés. Vous êtes des bornés. Même le caca qui sent là est plus important que vous aujourd'hui en République de Guinée. Toi, Mamadi Doumbouya. Personne ne veut te voir. Vous utilisez les enfants là pourquoi? Pour remplir les stades, pour prendre les images là, dire oui, c'est le peuple qui décide. Quel peuple? Le peuple va décider, c'est les élections, libres et transparents. Maintenant, ils vont choisir. C'est là-bas que tu vas voir que c'est Lula Lempé devenir président. C'est pour cela que les gens de l'IFDG, ils n'ont pas de problème. Tout ce que les Guinéens demandent là, élections libres et transparentes, c'est tout. Maintenant, si tu veux devenir candidat là, enlève des tenues là, non? Tu dis que tu es candidat. Enlève. Je t'ai dit, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui en Guinée, même si tu vas aux élections libres et transparentes, toi et Grand P là, Grand P va devenir président. Les Guinéens vont voter Grand P. Tellement que tu es détesté aujourd'hui. Les gens même préfèrent aujourd'hui sentir l'odeur de caca que de te voir même. Même tes photos là, même te voir même. Mais tu ne comprends pas. Tu confonds la vitesse et la précipitation, Mamadi Doumbouya. Tu confonds la Fiat Uno et la Ferrari. Tout est voiture, hein. Mais s'il s'agit de montrer leur valeur là, c'est pas la même chose. Et pourtant, tout est voiture. La Ferrari a 4 pneus, la Fiat Uno a 4 pneus, une 205 a 4 pneus, la Ferrari a 4 pneus. Mais c'est pas la même chose. Et pourtant, on appelle tout ça la voiture. Il faut te ressaisir, Mamadi Doumbouya. Laisse le pouvoir là. Tu as volé de l'argent. Hein? Tu es devenu multimilliardaire en dollars aujourd'hui, multimillionnaire en dollars, multimilliardaire en francs guinéens. Ça ne te suffit pas, hein? Tu veux seulement faire souffrir cette population. Mais le jour qu'ils vont te prendre, Mamadi Doumbouya, j'ai dit, hein, si on te prend là,
Je demande le bon Dieu qu'on ne te tue pas, Mamadi Doumbouya. J'aimerais te voir assis devant les magistrats guinéens. Les magistrats honnêtes, hein? Les magistrats sérieux, honnêtes, dignes d'être magistrats guinéens, qui ont prêté serment, qui seront fidèles à leur serment là. Hein? Ils vont te poser des questions. Ils vont te poser une question que j'aimerais qu'on te pose, Mamadi Doumbouya. Pourquoi le coup d'État du 5 septembre 2021? La première question, Mamadi Doumbouya, pourquoi le coup d'État du 1er septembre 2025, Mamadi Doumbouya? 2021, du moins. 2021. Pourquoi, Mamadi Doumbouya? Le coup d'État du 1er septembre 2021, c'est une question, ça sera une question du public ministère. Ils vont te poser, pourquoi tu as fait le coup d'État là contre Alpha Condé? Pourquoi, Mamadi Doumbouya? Où sont les corps, les femmes, les victimes que tu as assassinées? Où tu as jeté le corps là? Tu es parti jeter d'autres corps dans l'île de Kassa là-bas. Mamadi Doumbouya. Il m'a fait, il m'a fait, il y a tout. Le rôle d'une bonne maman ou le rôle d'une bonne femme là. Quand il va voir son mari en train de faire des erreurs là, il va dire, ici là, c'est pas comme ça. Mais comme eux aussi, ils ont pris le goût du pouvoir là, l'argent facile là, malédiction facile là, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à continuer à manger. Un jour, ils vont vomir. La famille, j'espère que la famille de Sadiba Koulibaly aujourd'hui ne se porte pas bien, non. Mais Sadiba Koulibaly, il a oublié comment il traitait les femmes veuves là, quand ils sont partis le rencontrer au camp. Les vidéos sont là, hein. Je pense que la même douleur aujourd'hui, la femme de Sadiba Koulibaly et sa femme et ses enfants et toute sa famille, ils sont en train de ressentir les mêmes douleurs aujourd'hui, non? Les mêmes douleurs de ce qu'eux, ils ont fait aux autres, non? Sinon, comment Sadiba Koulibaly, un grand intellectuel parmi l'armée guinéenne, un haut cadre de l'armée, comment eux, ils peuvent accepter que ce farfelu-là, comme ce qu'a dit le président Bandakani, sans aucune enquête contre Mamadi Doumbouya, Alpha Condé prend Mamadi Doumbouya, le met à la tête des forces spéciales, parce que Alpha Condé veut se cramponner au pouvoir à vie. Il faut prendre un malinqué, lui mettre à la tête des forces spéciales. Sans aucune enquête. On le montre seulement Mamadi Doumbouya. Comme Mamadi Doumbouya, il a la taille de girafe là. C'est fini, hein? Il est malinqué de cancan. Alpha Condé est tombé dans le piège de Mamadi Doumbouya. Diané vient dire à Alpha Condé, Mamadi Doumbouya veut faire le coup d'État deux fois. On attrape Mamadi Doumbouya. Ils vont aller dire ça à Alpha Condé. Alpha Condé dit de lui laisser. Alpha Condé ne sait pas qu'il est en train de jouer avec ça. C'est-à-dire son assassinat même, sa propre mort même. Personne n'est privé avec Mamadi Doumbouya. Hein? Le colis est maîtrisé. Le colis est maîtrisé. Tu donnes même le nom Alpha Condé, le colis est maîtrisé. Quelqu'un qui t'a fait tout dans ta vie. L'honneur, l'argent, hein, le nom, tu l'appelles le collier maîtrisé. Quelqu'un qui est plus âgé même que ton vrai papa, Mamadi Doumbouya. Alpha Condé est plus âgé que ton vrai papa. Mais tu viens humilier Alpha Condé. Tu rends Alpha Condé un voleur de la démocratie en Afrique de l'Ouest. On le met dans une voiture comme quelqu'un qui n'a jamais été président, même en Guinée. Comme un petit voleur qui est parti voler dans les poulaillers là. Mamadi Doumbouya, le péché là ne va pas te laisser dormir. Le péché d'Alpha Condé là ne va pas te laisser dormir dans la tranquillité. Je te mets ça par signature. Tu vas voir Mamadi Doumbouya. Il faut avoir la chance, hein. Avant que Idi Amin même te tape là, sors, tu as dit, tu es en train de préparer Kassori Fofana. Fais-le, me prépare de Kassori Fofana. Kassori Fofana est où nous? Premier ministre. Et bien, négocie de l'homme Kassori à la diable de Tao. Mais là, on dit à la fin, Kassori Diaba, il y a un libère Sata. Mais elle a dignité. Ils n'ont aucune dignité. À la fin, Kassori même va accepter ça. C'est des poubelles. Vous allez voir. Makanera Kake, vous avez vu. Baouri, l'exemple aussi. Ousmane Gawar, etc. Ils sont pleins comme ça. Ousmane Kaba, qui disait, c'est la première fois que ce qu'Alpha Condé a fait, aucun président n'a fait. Après, il sort encore dans Kibaro. Il dit, l'argent qu'Alpha Condé a détourné en Guinée, c'est de jamais vu. C'est la première fois. Dans l'histoire depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Hein? Tu ne peux pas venir tuer des gens, faire un coup d'État, nous inventer une charte privée à laquelle aucun Guinéen n'a assisté avec toi. Tu viens nous imposer ça là. Hein? Vous, toi-même, tu es sorti ici, tu as fait des décrets. Amara est sorti communiquer. Votre femme là, je ne vais même pas dire son nom parce qu'elle m'énerve même quand je veux prononcer son nom.
Votre femme de CNRD encore est sortie ici, elle a tenu le même communiqué ici, là. Hein? Il n'y a pas de campagne, il n'y a rien. Mais vous, quand ça vous arrange, vous avez tenu le pays comme en otage, le pays vous appartient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais les autres, non. Vous êtes les seuls Guinéens qui sont nés en Guinée. Les autres ne sont pas des Guinéens, non. C'est des, ils sont des diasporas. Vous êtes les seuls qui avez le droit de faire, vous avez le droit de faire campagne, manifestation, soutenir. Soutenir qui? Vous pouvez soutenir un criminel comme ça. Quelqu'un qui a les mains sales dans le sang. Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un assassin, tu n'es qu'un sanguinaire. Voilà, aujourd'hui, on va ouvrir maintenant des procès, crimes contre l'humanité encore. Le 1er décembre 2024, l'assassinat de ces enfants, hein, à zéro pour eux. Je m'adresse à toute la forêt. Prenez la liste, écrivez les noms et dates de naissance. Affichez ça partout. Affichez ça partout dans la forêt, à zéro pour eux là-bas. Prenez une grande liste, écrivez ça partout. Vous écrivez ça à la mort, vous écrivez ça, ça dit, dans les hôpitaux, partout, dans les églises, à la mosquée. Toutes les personnes qui ont été assassinées par Mamadi Doumbouya et Idi Amin là, le 1er décembre 2024, il faut écrire leur nom. Winde Indemapene, Wadonka Damboude, Kamorgo, partout là. Maintenant, on va compter. Hier, ils ont dit 30 morts, aujourd'hui 60 morts. Le correspondant de France 24 là, comme ils ont donné de l'argent aussi pour manger, qui est maudit? Lui aussi, il est en train de dire qu'il y a eu 10 morts. Para, 10 morts. Vous avez vu les vidéos là? On a dit une vidéo. La vidéo qui est là, vous avez vu ça? Les vidéos là, vous avez vu? Comment on suit? C'est-à-dire, on jette les corps, les enfants de 12 ans, 13 ans. Mamadi Doumbouya, Kafri, il dit. La Guinée, président, la Kafri, il dit Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es méchant. Tu es méchant, Mamadi Doumbouya. L'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain, d'une personne. L'arrogance. Amara, je vais vous dire devant tout le monde ici, il parle même, on dirait, c'est lui-même qui a la Guinée, la clé de la Guinée même. Hein? Nous sommes plus dans la transition, nous sommes dans la refondation. On va te refondre, Amara. Amara, on va te refondre. On va te mettre dans la refondation, là. Salopard qui est criminel, voyou. Délinquant, très arrogant. Ha, Amara, Nimi Janto Yerora, Yerela, Amara. Wallahi, billahi, talahi, Amara. L'arrogance. Prenez un exemple sur Dadis, non. Prenez les vidéos de Dadis, vous allez regarder. Nous, on n'a pas le temps de venir faire jouer ça. On n'a pas le temps, là. Allez-y, fouillez sur YouTube, là. Vous allez voir les vidéos de Dadis. Mamadi Doumbouya était plus fort que Dadis. Dadis, quand il sortait à Conakry, là, plus de 2000 bérets rouges. L'hélicoptère est en haut. De quand Samori jusqu'à quand Alpha Yaya. On a tout vu ça. Dadis qualifié des opposants, là, des apatrides. Vous avez vu, c'est cette population. Hein? Si je peux devenir candidat. Je peux enlever tenue. Vous avez vu. Dadis est où aujourd'hui? Ils sont en train de humilier Dadis. L'humiliation totale. Quelqu'un même doit préférer même de mourir, d'être humilié comme ça, là. De cette façon. C'est une honte d'humilier Dadis comme ça, là. Même si qu'on accuse Dadis aujourd'hui, que Dadis a fait, il a tué des gens, il n'y a pas de preuve que Dadis a tué. Hein? Le procès de 28 septembre, c'est un procès seulement pour mettre la main à ses loups, pour disqualifier les grands leaders des partis politiques. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. C'est pas le procès là. Bala Samoura n'est pas venu. L'autre là, Sekouba Konaté n'est pas venu. Moussa Keita, beaucoup d'autres personnes, même Idi Amin. Personne n'est venu, si ce n'est pas Dadis et les autres. Hein? Depuis 1958, personne ne peut juger un malinqué crime contre l'humanité. Hein? Crime économique, détournement de fonds publics. Et c'est eux qui jugent les peuples, c'est eux qui jugent les sous-sous, c'est eux qui jugent les forestiers, les mettre en prison. Mais la criminalité que les malinqués ont posé comme acte à la République de Guinée, personne n'a le droit de les juger et les condamner. Oui, et le sucre de Kobe Map et Tungye la Guinée. Vous pensez que vous êtes plus fort que tous les autres Guinéens là, que vous êtes plus noble que les autres Guinéens. Personne ne peut prendre un malinqué et le déposer à la justice. Personne.
Vous savez pourquoi j'aime Gomu? Gomu, lui, il est venu, il a vu comme Mamadi Doumbouya, c'est un petit criminel. Gomu n'a rien vu. Il s'est enrichi, il a pris ses 25 millions de dollars. Gomu est rentré au Canada. Il ne fait pas de bruit. La politique ne l'intéresse plus. La politique ne l'intéresse. Il est là-bas, il est en train de manger ses 25 millions de dollars. Dans le calme, il ne fait pas de bruit. Vous savez que les oiseaux n'aiment pas les bruits. Non? L'argent n'aime pas les bruits. Il est là-bas, il est en train de vivre tranquillement. Il a laissé les autres là dans la merde. Là. Mais vous allez sentir les Guinéens le 31 décembre 2024. J'interpelle encore ici la société civile, tous les grands partis politiques, FNDC, FNDC politique, spécialement maintenant, le président Selou Dalein. Selou Dalein n'a qu'à prendre ses dispositions cette fois-ci là. Trop, c'est trop. Alain est président Selou Dalein, il est immobile, il est à disposition. Trop, c'est trop. Il est immobile. Ko wada ta wo hika yo wado, si la Guinée bona yo bunu. Mais il est immobile, jodo, il est à disposition. No la mungu hendorto la Guinée, wo hika Alain est Selou Dalein. On en met à ko président Selou Dalein. Il faut dire au président Selou Dalein, il n'a qu'à se lever debout. Parce qu'on a compris affaire de... Affaire de pouvoir en Guinée, là. Nous ne sommes pas en crise de la démocratie, non. En Guinée, nous ne sommes pas dans une crise de la politique ou de la démocratie, non. Nous sommes en crise d'ethnie. Tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf Selou Dalein au pouvoir. Voici le vrai problème. Le vrai problème de la démocratie en Guinée. Tout sauf Selou Dalein au pouvoir, tout sauf un peu le pouvoir. On n'a pas de problème de démocratie. On n'a pas de terroristes en Guinée, on n'a pas de rebelles qui sont rentrés en Guinée. Mais je vais dire seulement à Mamadi Doumbouya qui retient bien ce que j'ai dit là. Tu es venu par les armes. Tu nous as promis, si tu ne tiens pas tes promesses, Mamadi Doumbouya, Wallahi Billahi Talai, Mamadi Doumbouya, je te promets ici, les Guinéens n'ont qu'à devenir témoins de mon direct, de mon life là. Je te promets, Mamadi Doumbouya, on va utiliser les armes pour t'enlever au pouvoir. Wallahi Billahi Talai. Mamadi Doumbouya, kopinka yetari lamo. So respectali ko wole kom. Hakunen Allah, wallahi billahi talai. Men ketta pinka men itta Mamadi Doumbouya kalamo. Je te promets ça, Mamadi Doumbouya. Je jure, Mamadi Doumbouya, je te promets 100%. On va utiliser les armes aussi t'enlever au pouvoir. Comment tu es venu là? On va utiliser le même système t'enlever au pouvoir. C'est comme ça. La démocratie en Guinée, tu viens, tu fais coup d'état. Tu formes un petit clan, tu tues les gens. Qui passe à la RTG. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure, je m'engage, etc., etc. C'est fini. Tu vas à la RTG, tu dis que tu es devenu président de la transition. Après un an, tu dis que tu es président de la République, comme si tu étais élu par le peuple, quoi. Bande des ignorants que vous êtes, des hypocrites, des poltrons comme ça, là. Hein? Des poltrons comme ça là, des penangrasa que vous êtes, hein? Des pédophiles du gouvernement, un gouvernement de la pédophilie comme ça là, vous êtes malades même, des sanguinaires ethno comme ça au pouvoir. Vous allez voir, on va vous montrer ça. Cette fois-ci là, vous avez trop exagéré sur le président Selou Dalein, vous avez trop exagéré sur les Guinéens là. Vous êtes des malinqués, vous avez tous les titres de faire du mal aux autres, mais vous, non, on ne doit pas vous toucher. Hein? Il n'y a pas de problème. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Le combat continue. Donc, c'est ce que Idi Amin voulait faire hier, un coup d'état à Mamadi Doumbouya, à la Dadismania. C'est ce qu'il voulait faire à la Dadismania le 28 septembre. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre à la Dadismania, c'est ce que Mamadi Doumbouya voulait faire à Mamadi Doumbouya hier au stade des Erekoure. Regardez les vidéos, les forces spéciales, les militaires qui étaient dans le terrain là, qui brûlaient les 4x4 là, les pick-up de l'armée là. Qui sont les gens là? Je demande, interpelle ici le faux procureur de Fally Doumbouya là. L'histoire de Fonike Mangue, tu nous as dit que tu ne sais pas où est Fonike Mangue, non? Mais ce qui s'est passé à Erekoure là, dépôt de Calbiran là, tu es venu, non? On demande une enquête encore sur l'assassinat de ses enfants à Erekoure. Parce que c'est les enfants guinéens. Les enfants là ne méritaient pas de mourir de cette façon, de la sauvagerie comme ça là. Mais comme Mamadi Doumbouya ne comprend rien, il est naïf. On veut organiser tout le temps pour lui déstabiliser. Idi Amin veut lui déstabiliser. Il ne comprend pas, il est naïf.
C'est le jour qu'ils vont prendre ces testicules-là, qu'ils vont comprendre, ah, tout ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux-là, c'était vrai. Mamadi Doumbouya, il y a même 10 kilos à côté. Allez, m'bravo, Foyemani, n'y a pas qu'à Yemani Kakane, là, il prépare Mamadi Doumbouya, il est ni Idi Amin, allez, quel est, massacre, mais il m'a gagné. Comme il coco, naloma, il dit, il m'a dit, il m'a dit, hein? Vous vous rendez compte? Vous cachez même le corps là encore, comme le 5 septembre. Hein? Ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, tu arrives à 8 novembre, le pont. Il y a plus de 400 malinqués là-bas, des forces spéciales, qui n'ont aucune information. Ils n'ont reçu, ça dit, sans formation. On les a appris seulement comment il faut tirer sur les gens. Ils sont tous les enfants de Cancan là-bas. Voici leur formation. On les a appris seulement comment il faut tirer sur les gens. C'est tout. Même prendre les armes là, ils ont faim, ils ne peuvent pas tenir même. Ils veulent là. Quand Sardine est viré, ils ont fait le pont 8 novembre. 400 et quelques personnes. 400 fois qu'on manika. Pas que manika. Que maman dit d'un bia formé de Johnny Pinkatun, Koko Iwai ou au Fellou Goltun, c'est fini. Mais à l'expérience, rien. On a dit les gens ou bini. Pe manika avec un peu de Artun Jorda Gole Hore Guinée inado, quand l'âme ou Iwata Mandeng, l'âme ou Kambe Gay. Quel est le secours de Kobemon a eu des mangoyes la Guinée? Vous pensez que c'est votre papa qui a planté les mangues qui sont en Guinée aujourd'hui? Ou les bananiers qui sont en République de Guinée? La Guinée seulement appartient seulement à un petit clan ethno-malinqué. C'est fini ça. C'est facile là. On veut voir un président démocratiquement élu en République de Guinée. Comme ce que la population, comme ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont choisi, ils ont dit Macky Sall. Amadou Ba qui ne veut pas d'Amadou Ba. C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est même pas compliqué. Ce n'est plus la transition. Maintenant, c'est refondation. On va vous refondre. Ne soyez pas pressés. On va s'occuper de vous. Comme vous avez dit que vous êtes fort là. Vous n'avez rien compris. Hein? Les ratateurs là. Kirikou Makanera. Il est parti à zéro couré. Amara. L'arrogance, les discours de l'arrogance. Une semaine seulement, regardez le karma de Dieu. Regardez, ça c'est le péché de Dadis qui est en train de vous enculer comme ça, là, de vous prendre. Vous êtes des vrais Naloma, comme on dit en malinqué là. Vous êtes des vrais Naloma. Un gouvernement des vrais Naloma. Le message de Dieu là encore a été clair. Vous avez voulu prendre ça là, Kafoko, Mamadi Doumbouya, Foré Ako, Albra Lala Kiti. Et mal à la bralla malia. On y a l'inoua la hersinirbe. Tout votre problème en Guinée, c'est tout sauf c'est le pouvoir. Le ballon là, on va tourner ça ensemble. On va passer par Real Madrid. On va passer à Barcelone. On va passer à Manchester. On va tourner le ballon là. Jusqu'à au milieu là, c'est l'oudel, on va attraper le ballon là. Continuons seulement. Continuons. Mais nous sommes de Marie Barki, la Guinée, pour les gens foule. Mais il y a un Alhamdulillah, Rabbi Lalamina, Johnny, foule, ben faux, Johnny, famille, comme on voit l'angol, bedo, gila doube, doube. Mini la Guinée, problème la Guinée, on faux. Faux, la moto la Guinée, c'est un coulo. On bon, on pour le carico, c'est l'oudale. Mais voilà, non, du ha, merunki. Mashallah, Alhamdulillah, Rabbi Lalamina, Johnny, on foule, ike famu, comme on voit l'angol, on gila nevi. Ça peut se faire. Do no why one day. Ya wa nanga himbe warabe suroda ada joni no kadi wo ankadi kwa candidat. Ya wari himbe lagine mo wujimbudi lagine di fo joni. Tu n'as rien compris.
Dis, Vido Guido, je ne peux pas montrer les vidéos là, sinon ils vont signaler ma page. Son y foule guino wali nender otoye, camion ye. Hein? Aux journalistes, aux représentants de France 24, ya do bati, et bien soutenu Mamadi Doumbouya, et nous voulons que 10 mois. Be français, be ko haka, be pilaye. Que français, ou no tampini lenyo pour le filam. Donc, Guinée, chers compatriotes, Guinée, partagez le petit direct là, dans tous les groupes. Ce qui s'est passé hier, c'était un coup d'État qui était en téléchargement contre Mamadi Doumbouya, qui a été organisé par Idi Amin et Bala Samoura, leur équipe là. Donc, sinon, on peut pas comprendre, dans un match de football comme ça, il y a eu l'embuscade comme ça, qui a tiré sur les gens? J'ai les vidéos ici là, hein. Ça c'est des balles. Les balles sous la poitrine, sous la tête là, vous allez voir les balles même, les traces de balles là. Pourquoi ils ont lancé les gaz là sur la population? Pourquoi? Qui a dit aux militaires qui étaient là-bas en civil? C'est la même chose qu'ils ont fait l'histoire des dadistes. Les gens se sont habillés en civil, ils sont rentrés parmi les manifestants. C'est ce qui allait se produire encore hier à Zéro Corée. Maintenant, j'interpelle tous les Guinéens ici. À partir d'aujourd'hui, je vais dire en malinké, en pélé, en soussou et en français. À partir d'aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya, les Amara là, ils vont dire football, soutenir tel là, n'amenez pas vos enfants là-bas. N'amenez pas vos enfants là-bas, sinon vos enfants seront sacrifiés par le CNRD. N'amenez plus vos enfants à assister les mamaya là. Les mamaya là, n'amenez plus vos enfants là-bas. On en foule bien, mais on en ender la Guinée, faut qu'à Wando. Tout noir pour la paix, tout noir, tout ça là, c'est des histoires. Quand là pour le Wando et la Guinée, si Mamadi Doumbouya nous organise de l'on, au tout noir, tant où y a autant de, beitaï on sadaka. Beitaï on sadaka, filam. Tant où y a autant hande, tant où y a autant django. Si be djonni on boudi, yette on boudi di nyam on wono kamon. On y ko ben inna en ordoko, minna en ordoko, paye ko itumbe wone, itilise gol, fiwad gol, campagne. Et y a tout nodo, be yeti men, be ni blogger, communicant, c'est des menteurs ko fena obe. Djonni non a la di fure gidin, preuve gidin. On y, tout ça là, c'est des enfants. Pai ko itu na bato he binasta don ware don tan etu bi do mon na bon ton fi tapalapa e sar boîte sardine a ko din boîte de sardine un pain de tapalapa là hein avec des t-shirts et leurs enfants sont couchés dans les millions de dollars. On dirait vous êtes des maudits, vous prenez vos enfants là, vous disiez à vos enfants de partir assister quoi? Les enfants qui ne connaissent même pas la politique c'est quoi? Les enfants là ne connaissent même pas Doumbouya c'est qui? Les enfants là ne connaissent même pas Refondation, les refondations, ce n'est plus la transition. Ils ne connaissent même pas ça veut dire quoi. Okay, arrêtez d'amener vos enfants dans les mamaya là. Vous allez perdre vos enfants. Je suis très très sur mes colères là. Hein? Tous les enfants qui sont morts aujourd'hui là, les familles vont faire quoi? À cause d'une boîte de sardines et un pain de tapalapa. Et une boîte, c'est-à-dire une bouteille de eau koya. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est une malédiction pour les Guinéens. Ou vous ne connaissez pas ce qui est bien pour vos enfants demain, après-demain. L'école est très très importante pour vos enfants qui doivent devenir les futurs cadres de la République. On a yatadou. Bébé monsi yai djangi. Bébé monsi djangi ha djangi. Owana y cadre. Cadre. Kwargol tout senditana ou sardine et tapalapa. Geta un t-shirt ou wadadou nasi. Et ils ont pris les médicaments là, versé même les médicaments là sous les t-shirts là pour donner aux gens pour qu'ils portent, pour soutenir, pour tuer le cœur des gens. Mamadi Doumbouya, ça ne fait pas marcher. Tu as amené des Aras, des Marabouts, de l'Inde jusqu'à aujourd'hui là, ça donnait quoi? Chaque jour, c'est Makanera, le mal, le plus grand, c'est-à-dire le plus grand malheureux de tous les politiciens guinéens. Il est venu vous accompagner à Zéro Corée. C'est devenu maintenant une malédiction internationale. Hein? Je demande à la communauté internationale, on demande une enquête préliminaire pour ce qui s'est passé à Zéro Corée hier, le 1er décembre, avant-hier là. Parce que nous sommes le 3 aujourd'hui. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, chaque jour qu'on est Windu, moins un jour pour le CNRD, moins un jour pour le CNRD, moins un jour pour le CNRD. Hein? Le CNRD maintenant, il reste combien? Il reste à Mamadi Doumbouya 28 jours. 28, oui.
28 days, 28 jours. Hein? Donc, à qui est-ce que vous dites, mon wadon, dites, mon sadaka, fita, palapa et sardine, boîte de sardine. Allez, manika, tout le marona, al men be, manika, kamela, ka, ka, tre, al sini, la guine, konobi. Allez, fra, la dinta, la kawadi, mamadi, dumbuya, la koro. Mamadi, dumbuya, tisena, la ka, ka, fa, le ko, danka, dene, al la dindi, kwa, la din, danka, le alko. Ka, na, ka, buru, kele, buru, yarani, ta, palapa, kele, ta, ka, dal, la dema. Ani bwa sardin kele, ani ji kwa ya ji, ka uta ka ada laden ma, kwa laden waka kampanye kaya. Aladen santan fla, santan saba, santan nani, santan lulu. Alkana soma, alkana ile reke, danka dendi. E, pe ale laden bawa ekola, kalsi kakaram, kakaram yumake, uti di ale ale nye. Iladen bawa ekola kakaram, sina dike se, ke l'ambassadeur de kake ministre dino. Me, ko danka le, aldi, ale laden le suno, la climatiseur kono. Alla dele tuwa busola alle sini alti fuila kana burujara nguta kafe kafe kai kadalma kana kafani ufananka kala kana sigita fananka bla t-shirt wotanka ka di alla de mali alla de alla dele ufananta kal blanka ha mba wotan so sene re birina la gine ngai gaira fala fala ufambe una wete findi danka dira wade findi danka dira sener de radi me radi amare radi na na fotita be e pobre rasamba manema logo lo kike o kike wotanga de ga wade findi danka 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 dira barka tarira hein e rasa tamita pala patungo e na taron wade ma hein e sardin boat kerin tungo e so wi anu ko ya e pe eu tan findi ma danka dina na e tanga de rima climatiseur e ora e radi na fotita Muta noma wende, nous mu fa muta mari la faute tabe. Personne n'a amené nos enfants ici là. Jamais. Donc il a dit la bolo faute tabe. Ki kio ki kene rima bara bangi sara ne bebe. Pe otanga de o mo otanga de rasge kol. Il a gara. Il a findi Adam a dit ratina la gine ko. Il a findi mri kende ratina ou tina bura rafira. Hein? O mo mo wa dit ra findi fonctionnaire la gine. Na ta mi gare tapa la pa. Ebara la suma misa na gama anu t-shirt na nan tungo ma eso wotan yi o malebeki pe lagine wo lagine wo be amuna lagine ra wotan muna lagine ke yama una wade tungo wa findi sara gaira mbara falobe uno wade tungo son wo gani ife wo wa manebe na yo gadi nu fama madi dumbu ya gafera be sono muta mu fama be hal mu condoléances yi mo masono sala sans femel mal très mal humainement c'est pour cela je souhaite condoléances à toutes les familles victimes de l'assassinat de Bala Samoura Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Hein? Comment vous pouvez prendre vos enfants à zéro coeur comme ça, les sacrifier? Les enfants qui ne connaissent même pas la politique, c'est quoi? Pour faire seulement campagne pour ce délinquant psychopathe-là, c'est quoi avec les Guinéens? Vous avez gagné quoi dedans aujourd'hui? Donc, Moussi de Fulbe Guinée, partagez vos vidéos, quand il y a un groupe, il faut que vous parlez de Wolango. Hankin, ko Hankin, me douane wade, Mamadi Doumbouya, coup d'état, organisé par Idi Amin et Bala Samoura. Hankin, hari équipe, ma bébène, ko kampe wono, ka terren, ko kampe gete, pinka, fel him bébène. Hulbini him bébène. On y otoye den kadi kander starton, otoye kobe wono, sunno de kon, otoye gendarmerion, polisson, on y no ka. Rumfo ko himbe, Idi Amin, ati Idi Amin kadi no formi sori bebo inetebe escadron de la mort. Ati kanko kadi fendo do, mo getu de position ma kon, ko Mamadi Doumbouya wadu no Alpha Condé kon, elimini be sori be fo wada no be opposition contre ma kon se wadi coup d'état. Ako dun Idi Amin kadi wone prepare gol fendo do. Konu no ofala no, ko wadi indor gol futa gyalon, forese ben, hein? E fore on. Hanki non ko honno be jettata himbe labebem e yabe na wono jour de finale famé moja politiko ko un famé moja ko inu gondo o selu dalen kadi e jettedo himbe ben labe a di fulbe joni be pinka nieni ko dum be wono kadi organise go langi famé politique moja la politique ce n'est pas pour les enfants donc mi wuri ke on kala ko wonti render adla la vo partager au vidéo le combat continue hay goto menta décourage au fi près dans selu dalen Il tire un bao mako. Alpha Condé ko wadu do 45 ans da coup de lame. Robert Mugabe combien plus de 27 ans Mandela wole take. Alessandra Mangwatara ko dubi jele wadi mo da coup de lame.
Alpha Condé doubi tiapa de na yoy bodapu de lamu ha be jetti lamu go be joni mo force bat ko manika yo se ko ba konate etti victoire c'est lou dalen okimo ka donc ta un décourageant impossible n'est pas français donc imodo en hika en fulbe fulbe andube hore mo ko honto be wi kondu inete lenyol pullo kondu inete gijan pullo ko be non go mi one wolande na be koy pullo haka koy do koy pullo haka koy nafi koy do mo pullo ando do hore mo ko lenyol ko bi pullo ko lasile wono gol pullo ko be mi one inode imoden wakilode madu ngaygo gol lananta hakune mo Allah son dare 1958 hande ko fulbe ngelo wara lagine marbe gandal ko fulbe ngelo wara lagine marbe gandal tan sekuture do sa mari debbo labado sekuture getta e warete sa darni sudu labando sekuture o warete sa mari no gandal ko aburi sekuture sekuture nangete nabe kambo waro ware dum fo woni Alpha Condé wari ari do lamike wadi en buri dum mamadi dum biya wolotako wolotako ko bibe ngelo fulbe mamadi dum biya wari kalaxe hande goddo hebi justice goddo hebi justice jamais o e fonike mangi onto fonike mangi woni biloba sari ba kuli bali onno maide makone ko kanko dabbi ko wada wo wala yobete selesen ko il a fait quoi selesen a fait quoi wargo selesen be noda be on appelle sa femme de venir regarder si c'est son mari eh les gens là sont des méchants vous êtes des criminels des vous êtes méchants Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya tu es méchant tu es trop méchant Mamadi Doumbouya tu es un vrai cafre, un vrai shaitan, Mamadi Doumbouya. Tu es un vrai psychopathe, shaitan, Satan. Vrai Satan, Mamadi Doumbouya. Vous êtes méchant, vous tuez quelqu'un. Vous prenez le téléphone, appelez sa femme pour dire à sa femme de venir à la morgue, voir si c'est son mari. Eh Allah. Vous prenez son corps encore. Vous bloquez. Ah non. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous croyez même que Dieu existe, Mamadi Doumbouya? Le CNRD là. Vous pensez que Dieu existe dans votre tête. Pour vous, Dieu n'existe pas. Ça, c'est un exemple de ce que Dieu a fait le 1er décembre. Le 1er décembre, là, on va amener là, ça aussi à la communauté internationale. Il y a eu plus de 200 et quelques morts. Donc, portez-vous bien, le combat continue. Vous allez lire l'air le 31 décembre 2024. Donc, je salue tous mes fans. Là, Yoruba Bagal aux États-Unis, en Californie. Habib Bari aussi à Washington, D.C. Big up à toi et ta sœur, Habib Lanhiroma, Lanhiro Djajama Kadi, un des États-Unis. Et Lanhiro Kadi, maman d'Américain, on est New York, et bien, on est Mariam Ba, et te ba, on est en Kering Bena, soirée, Kadi Lanhiro Mokanko, et bien, on est et Hamidou Bari, Paris, Dr. Ismail Ba, big up à toi aussi, Karamba, l'artiste international, Kapere Ndengambi, Lanhiroma, Nelson Mandela, un des Labian Kadi Lanhiroma, big up à toi. Osman Ba Ender Frita en Sierra Leone, l'Anhiroma. Alpha Beni Sissé dans le Maroc, là, l'Anhiroma Kadi. Donc, partagez vos vidéos quand il faut. Momeye Gitevo, Haray l'Anhiro Kadi Karamoko Interdole, Interdole, l'Anhiro Karamoko Interdole. Donc, partagez vos vidéos quand il groupe. On a eu Benon Kadi Wambe Telimile, et Gawalo, Yalte, on a organisé, ils ont eu Waran de Mamadi Doumbouya, Balondo, on a eu Katao. Ko gouvernement kata ha hande hari goddo heba ka lagine mardo kata wono Mamadi Doumbouya organiser do kadi non do soutenir on yaye wado soutenance parce qu'on faut gagner université on yaye me wada na soutenance donc portez-vous bien partagez vos vidéos kaner groupe du faux la hero kadi camara en dernier con parte suisse en kadi la hero kadi biroma tellement américain la hero faut partagez vos vidéos kaner groupe du faux hare en Django Kadi, le combat continue. Ciao, ciao.